Good morning, allez Yiden, je suis aujourd'hui le Louis Nishmat Yaakov ben Aïcha, ainsi que le Fouat Rav Baruch Shmuel ben Abetor Shachol Israël. Si vous savez aussi d'aider une prochaine étude de Misha, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Megillah, Perek Dalet Mishnah Teta Omer, Yaberechoucha Tovim, Areizo, Derecha Minut, Alkan Tzipor Yegiur, Rachamecha Balto, Vizacher Shemecha, Modim Modim, Meshat Kinoto, Amchane Ba'arayot, Meshat Kinoto, Aomer, Omizaracha, לא תיתן להעביר למולך ומזרעך לא תיתן להעברה בארמיותה משתקין אותו בנזיפה. On continue à découvrir toutes sortes de choses qu'il ne faut pas dire, sans rapport avec le... Si vous vous rappelez, dans tout le Pérec, on a parlé, on a commencé depuis le Pérec précédent de parler de la Kriyat HaTorah, après on a continué sur les personnes aptes à montrer pour lire la Torah, monter en Shaliach Tzibur, et du coup ça nous a fait entrer à... dans la Mishnah précédente, dans toutes sortes de situations de personnes qui disent des choses qui ne sont pas justes à dire, ou ça fait signe qu'ils ont des mauvaises... qu'ils ont une tendance à l'hérésie ou à la picorsoute. Et du coup, on va continuer dans la Mishnah encore à découvrir toutes sortes de choses qu'il ne faut pas dire en rapport avec la Torah, la manière de la traduire. Et tout d'abord, « Omer yevaerchucha tovim areizo derech aminut ». Alors là, j'aurais voulu utiliser mon joker de dire que... C'est une Mishnah que j'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire cette partie-là. Ça y est, je vous explique, d'abord on va traduire. S'il y a quelqu'un qui va nous dire « Omer yeber chucha tovim », d'abord, une petite introduction d'abord. C'est comme ça que c'est machma dans la Gemara, fréquemment, dans plein de choses, que les textes de Tfila, à l'époque, ils étaient moins fixes pour tout le monde. Il y avait sûrement une base admise de tout le monde, mais chacun avait une tendance à le faire de manière un peu mettre sa petite touche personnelle. D'accord? J'imagine que c'est aussi sur ce principe que toutes sortes de trinotes ont été rédigées dans les slichotes ou toutes sortes de choses qui ont été au fil du temps. Si vous regardez surtout dans les slichotes ashkenaz par exemple, en ce moment ils font bet et bet, les taniotes de Baab. Il y a des textes qu'on voit que c'était à l'époque des rishonim, ils ont rajouté tout ça. Quelqu'un maintenant, notre problématique donc maintenant, c'est quelqu'un qui va rédiger un texte personnel. Et qui va dire dedans des phrases, en faisant apparemment des shvachim à Hachem, mais en fait, il s'avère que ce n'est pas des shvachim qu'il fait, c'est au contraire, c'est une tendance à une tendance hérétique, ou bien des erreurs, des idées mauvaises sur le rapport qu'on doit avoir avec Hachem. En l'occurrence, on a le premier, c'est celui qui va dire Yevarechucha Tovim. Genre, il va dire Hachem, regarde, tous les gens bien qui sont là, qui sont unis, sont venus pour te prier. Tous les gens bien sont. Veulent te bénir. Eh bien, il faut le faire taire. Pourquoi? Alors là, pourquoi c'est compliqué? Il y a deux avis qui sont rapportés. Il y a dans le Barthénora, il nous dit, parce qu'en fait, lorsqu'on fait une tfila, peut-être qu'on va même se limiter à ça, parce que l'autre, j'ai vraiment pas compris, et quand on fait une tfila berabim, en fait, il faut savoir qu'Hachem, il attend la tfila de tout le monde. Pas juste des grands tzadikim, mais aussi des tzadikim et de ceux qui le sont moins. Et qui sait qu'ils ne sont pas même des réchaïm, quoi. C'est déduit ça de l'actoret. Lorsqu'Hachem a porté l'actoret, et lorsqu'on a porté l'actoret de Batamigdash, il fallait qu'il y avait 11 espèces. Une d'entre elles, Bachadassar, Samarmini, Mayuba, il y avait 11, Atsuri, Batsaporen, Bachelbena. La Chelbena, c'est une encens qui sent mauvais. Et il faut la mélanger avec les autres, et de là on apprend un grand Yesod, que lorsqu'on veut organiser une tfila, Berabim, parce qu'on veut faire une tfila, peut-être c'est ça le sens, peut-être que. Lorsqu'on va faire une tfila en public où on a envie de prier pour la pluie, on a envie de prier pour n'importe quelle bonne cause qu'Hachem nous aide, nous sauve, si on croit que on aura une plus belle tfila si on va réussir à réunir les 10 tzadikim sans rapporter, en plus de ça, des gens moins qui font sida avérot, quoi, ben, il y a une erreur d'apikorsout. Et c'est ce que la Mishnah nous dit, à raison de racha minut, c'est-à-dire que c'est des minutes. Alors, l'idée, on a bien compris l'idée. C'est normal. Parce que c'est un peu pour exclure la tendance catholique, où chez eux, il y a les tzadikim qu'Hachem a créé, le curé et tout le clergé, et puis il y a les gens, qui vivent concrètement, qui ne réussissent pas à s'en sortir, et qui ont des tendances, et qui font toutes sortes de avirotes toute la journée, et de temps en temps, ils vont se confesser. C'est le rapport qu'ils ont avec le... Non, Hachem, il veut chacun de nous, il veut les gens les plus simples, tous, quel que soit ce que tu fais dans la vie, quel que soit ce que tu as fait dans ta vie aussi, Hachem, il attend que toi, tu viennes et que tu le pries. Et justement, on veut que ta tfila vienne comme ça. D'accord? Maintenant, l'idée, on l'a bien compris, elle est belle.
Juste que pourquoi ça s'appelle derrière un minute? C'est de la pikortsout. Alors, c'est quelqu'un qui se trompe. Pourquoi c'est de la minute? Peut-être que c'est en rapport avec ce que j'ai dit, que ça vient en rapport avec les catholiques qui croient. Peut-être que ça va rejoindre l'autre explication. Il y a une autre explication dans le RAN qui est rapporté, qui est aussi un peu plus compliqué à comprendre. Une des hérésies bien connues, c'est qu'il y a deux réchouillottes, shalom. C'est qu'il y a le Dieu qui fait le bien, et puis il y a le Dieu du mal, la force du mal. Quand d'ailleurs, entre parenthèses, c'est quelqu'un qui m'a déjà corrigé une fois, j'aime bien dire cette expression en français, quand on dit le bon Dieu, bah c'est une tendance hérétique en fait, parce que ça veut dire qu'il y en a deux en fait. Il y a deux forces qui luttent, et puis nous on se rapproche de lui pour lutter contre l'autre. C'est une grande erreur, c'est Hachem qui fait tout. D'accord? Donc ça s'appelle la minute. Ensuite, deuxième partie qui est de la Mishnah, qui va devenir plus simple quand même. Donc là, c'est avec celui qui va vouloir de nouveau faire une tfila en disant Alkan Tzipor Yagiur Hamecha. Il va faire une tfila en disant Hachem, même sur le nid des oiseaux, ta pitié est venue. Ouais, en rapport avec la Mezzah de Shulor Haken, parce que vous connaissez la Mezzah de Shulor Haken, lorsqu'on a envie de prendre des œufs que le pigeon, la mère, la poule, peu importe, que ce soit quelque chose de FKR, qui est en train de le couver et qu'on a envie de prendre, le droit nous a dit, tu ne peux pas les prendre quand tu laisses la mère. D'abord, tu chasses la mère, qu'elle ne voit pas les enfants. Après, tu prends les enfants, tu prends les petits. Tu n'as pas le droit de le prendre tous ensemble, tu n'as pas le droit de prendre les petits en laissant la mère devant toi. Apparemment, il y a ici la Rachamim. Ça veut dire qu'Hachem nous a dit, aie pitié de la mère, c'est une souffrance trop dure pour une mère de voir ses enfants qu'on va lui arracher ses enfants. Donc on aurait pu dire, ah, regarde Hachem. Faire une belle tefila comme ça en disant Hachem, dans ta Torah, tu as ordonné même la Mezzah Shelo Hakem, parce que ta pitié, elle va même chez les nids. Et pitié de nous aussi. Quelqu'un qui veut faire une tefila comme ça, Mishatkinoto, comme le Mishnah va nous dire, il faut le faire taire, parce que c'est pas vrai, parce que la Torah, des fois, elle a dit de faire une mitzvah comme ci, des fois, elle a dit de faire une mitzvah comme ça. Tu vas pas commencer maintenant à faire entrer que Hachem, il est très Rahman, c'est pour ça qu'il a dit d'avoir pitié des oiseaux, parce que sinon, pourquoi il t'a permis de faire la Shrita, ou d'autres choses, ou dans d'autres mitzvot, ou au contraire, il faut être plutôt. Méchant et comment dire, j'ai pas le mot, c'est pas grave, et faire au contraire. Des fois, on te demande de faire de prendre un saïr, la azazel, de partir le jeter d'une falaise. Là-bas, il n'y a pas eu de pitié, donc ne commence pas à donner des raisons. Ouais, comme dit le Barthénora, la Gemara elle-même, elle dit en fait que tu fais les mitzvot d'Hachem, que c'est une question de bon sens, avoir un bon cœur, être un bon juif dans le cœur, c'est pas vrai. Tu fais les mitzvot parce qu'Hachem il veut. Il a eu des raisons profondes dans le monde pourquoi il a créé que le monde de la sorte et il t'a demandé de faire ses mitzvot, comme si, et voilà. D'accord? Autre chose qu'il ne faut pas dire aussi, c'est Ve'alto v'izacher shamecha. Et que ton nom soit grandi sur le bien que tu nous fais. Qu'on te bénisse sur le bien. Et là, c'est une erreur, parce qu'il faut aussi apprendre à reconnaître Hachem lorsqu'il nous fait même des choses qui sont moins agréables. D'accord? Et aussi, celui qui veut dire modim modim, celui qui quand veut dire. Modim lecha, modim lecha, sur ça, et modim lecha. Le fait qu'il répète modim, 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 il y a quelqu'un qui pourrait déduire de là qu'il y a plusieurs dieux. Il y a celui qui donne la parnassa, il y a celui qui donne les enfants, celui qui donne. Donc il faut dire une seule fois modim, il ne faut pas dire modim, modim, d'accord? Donc Meshatkinoto, s'il fait une tuile à Paris, on le fait taire, on lui dit corrige tes mots. Autre chose maintenant, vous vous rappelez de l'histoire, enfin de ce qu'on avait raconté que, là on va du coup, on va parler de ça même jusqu'à la fin du chapitre. Avec le Targoum. Vous vous rappelez du Targoum? À l'époque, c'est encore fréquent chez les Thémanim, les Yémanites d'Israël, on les rencontre encore qui font ça. C'est que lorsqu'on lit la Torah, il y en a un qui lit un pasouk, et puis il s'arrête, et il y a quelqu'un à côté de lui qui lit le Targoum. Le Targoum, ils appellent ça. Ils disent le guimel avec. Ils disent J, avec un. Quand il y a un dégage dedans. Donc, il va lire le pasouk, et puis l'autre, il va lui traduire le Targoum. D'accord? Et imaginez maintenant qu'on se retrouve avec quelqu'un hein, qui va faire une dracha, ou peu importe, soit il est en train de faire le targoum, ou soit il est en train de lire le targoum, en train de dire le targoum, ou soit il y a quelqu'un qui va faire aussi une dracha, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va être mechané ba'arayot. Il va, comment dire, le mot de kinoui, c'est un surnom, mais en fait ce qu'il va utiliser avec la paracha des arayot, qui parle de tous ces incestes, au lieu de l'interpréter tel quel, tu n'iras pas avec la femme de ton père, tu n'iras pas avec le mari de ton truc. Ouais, la Torah nous a donné des choses claires, interdite, ta soeur elle t'a interdite. Au lieu de traduire ça tel quel, et d'interpréter ça tel quel, il va commencer à faire de la philosophie, en disant qu'en fait, par exemple, ah, si tu n'as pas le droit d'aller avec ta
ta mère, ben c'est parce qu'en fait, t'as pas la, parce que c'est la nudité de ta mère que tu dévoiles, quelqu'un il va se mettre à interpréter, oui, il ne faut pas dévoiler la nudité de sa mère, d'aller raconter tout ce que sa mère a fait en cachette. Au lieu de traduire les choses clairement, il va commencer à philosopher dessus et à les détourner de leur sens exact, et on va arriver à des graves problèmes, à des choses comme ça. Entre parenthèses, j'avais vu une fois dans le shoot, un shoot du Rashba, il y a dedans un grand débat qu'il avait avec avec les catholiques de son époque, le catholique qui s'amusait à faire ça dans les psukim. Vous avez aussi toute une philosophie pour traduire les choses, pour expliquer les choses comme ça. Ouais, qu'en fait, quoi, Hachem, il n'a pas créé des animaux purs et des animaux impurs, il a créé tout le monde égal, donc quand Hachem, il a dit qu'il ne faut pas manger du cochon, ça veut dire qu'il ne faut pas se conduire comme un cochon. Vous voyez l'ambiance? Qu'il faut détourner sans arrêt les choses, au lieu de les prendre telles quelles, on va dire qu'elles vont dire autre chose, parce qu'il faut les expliquer de manière métaphorique. Ou, eh bien aussi, de nouveau, il faut le faire taire. Pourquoi? Parce qu'il fait, il dit des erreurs. On va se retrouver dans tout. Et la Mishnah va prendre des exemples tout de suite. Omer, par exemple. Celui qui va dire, Omizarcha lo kiten la molaire. Les avir la molaire. Tu ne donneras pas de tes enfants au molaire. Le molaire, c'est une forme de avodazara, de culture païenne, où il fallait faire passer les enfants au feu. Et la Torah, donc, elle nous dit, tu mettras pas ton enfant, tu donneras pas ton enfant à l'avodazara. Eh bien, et comment il va traduire l'ami? Il va nous dire, Omizarcha lo kiten le abara be'aramayuta. Tu ne donneras pas ton fils à une goya. Enfin, ne te marie pas avec une goya et tu vas avoir un enfant goy. C'est ce que la Torah vient nous dire quand elle nous a dit qu'on misera le signe à la molaire. Ouais, ben l'interprétation, c'est assez brillant. Le problème, en fait, vous voyez, comprenez, au lieu de traduire le passage tel qu'il est, il traduit autre chose. Et c'est une catastrophe. Parce qu'en fait, après, puisqu'on a dit qu'il est Khayav Mita il fait le molaire. Il va se dire, bah dans ce cas-là, tu sais quoi, celui qui va partir avec une goya, il faut le tuer aussi. Et c'est faux, c'est pas écrit dans la Torah. Parce que celui qui est avec une goya, il est pas Chayav Mita, et celui qui va faire ce type de Avodah Zarah, il est Chayav Mita de nouveau. Même principe encore, Meshatkin oto Binzifa, on le fait taire, Binzifa, en lui criant dessus, en lui disant tais-toi, violemment. D'accord? Et voilà quoi. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, Salam.